Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Les autorités maliennes ont arrêté dans la localité de Zegoua 13 terroristes présumés issus de différents pays africains. Cette interpellation met donc en lumière la nécessité pour les pays du continent de travailler ensemble dans la lutte contre le terrorisme. Le Parlement rwandais a examiné les pétitions favorables à un troisième mandat du président Paul Kagame. Au cours de cette séance, 80 députés et 24 sénateurs ont largement soutenu le vœu de la population, souhaitant une continuité de la gouvernance du chef de l'État après 2017. Et les consultations nationales se poursuivent au Congo sur fond de polémique, puisque l'opposition soupçonne toujours le chef d'État de vouloir réformer la constitution pour briguer un troisième mandat. Mais tout d'abord, de violents combats ont opposé ce mardi l'armée camerounaise à des membres du groupe Boko Haram. Les affrontements ont lieu à Kerawa et à Al-Daoustaf. Un bilan provisoire fait état de 4 morts du côté du groupe terroriste. Aucune victime n'est à déplorer du côté de l'armée camerounaise. Ces dernières semaines, Boko Haram est particulièrement actif contre les pays qui se sont unis pour éradiquer ce groupe terroriste, à savoir le Nigeria, le Tchad, le Niger et le Cameroun. Et le terrorisme fléau qui frappe de nombreux pays du continent, dont le Mali, la police de la localité de Zegoua, dans la région de Sikasso, a d'ailleurs arrêté ce lundi 13 juillet des présumés terroristes à bord d'un car en provenance de Côte d'Ivoire, parmi eux des Maliens, des Franco-Maliens et des Mauritaniens. Une diversité qui interpelle les autorités quant à la coopération des services de renseignement entre les différents pays du continent. Lisez Sia Kizimana. Les autorités maliennes renforcent les mesures de prévention des attentats. 20 présumés djihadistes ont été arrêtés à Zegoua, dans la région de Sikasso, au Mali. À bord d'un car de transport Sonef, ces présumés djihadistes étaient en provenance de la Côte d'Ivoire. Ils sont soupçonnés de planifier des attentats sur le territoire malien. Parmi eux, des Maliens, des Franco-Maliens et des Mauritaniens. Voir que des djihadistes d'origine mauritanienne, d'origine malienne, d'origine ivoirienne ont pris un car dans un pays à Abidjan après un vol venant de l'Europe pour atterrir là-bas et aller tranquillement se diriger vers le Mali sans alerte. Ceci est tout simplement un caillou dans la chaussure de cette lutte contre le terrorisme, contre la violence et contre l'obscurantisme. On doit s'interroger sur la coopération entre les services de renseignement français et les services de renseignement ivoiriens, et africains et maliens en général. Le chef de file de la bande est un Mauritanien nommé Samir Henrique. Cette arrestation intervient une semaine après celle d'un autre présumé djihadiste à Ouin, dans la région de Ségou. Il a avoué appartenir au mouvement djihadiste Ansadine Diad Agali, qui avait déjà menacé de s'attaquer aux forces maliennes et de la MINUSMA. Le Mali aujourd'hui est en train d'être un modèle de lutte contre le terrorisme. Malheureusement, ce n'est pas réjouissant du tout. Il est en train d'être aujourd'hui un pays qui, en Afrique, est à même le mieux organisé pour pouvoir détecter, lutter contre, agir en amont, arrêter et emprisonner. C'est dommage, c'est malheureux. Et les autres Africains, pays africains, doivent s'y mettre pour partager cette expérience, pour minimiser encore le terrorisme sur cette zone, les violences, hélas, ceux qui sont aujourd'hui les auteurs de cette troupe dans notre pays. La menace terroriste est prise au sérieux par les autorités du pays. Elles appellent la population à plus de vigilance. La lutte contre le terrorisme est devenue un enjeu régional. Plusieurs pays comme le Nigeria, le Niger ou encore le Tchad veulent durcir leur législation en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Une responsabilité morale mais non pénale, c'est ce qu'a reconnu lors de son interrogatoire par des magistrats guinéens Moussa Dadis Camara dans le massacre du 28 septembre 2009 en sa qualité de chef de la junte militaire au moment des faits. Ce 28 septembre, les forces de défense et de sécurité de la Guinée avaient réprimé par la force une manifestation d'opposants faisant 157 victimes. Paul Kagame, président rwandais, se dirige vers un nouveau mandat, en tout cas vers une nouvelle candidature, puisque le Parlement se dirige, lui, vers la tenue d'un référendum. Les autorités veulent en effet consulter la population sur une éventuelle modification constitutionnelle qui permettrait au chef d'État de se représenter. Rappelons que ce référendum fait suite à une pétition signée par des millions d'électeurs qui plaidaient pour un nouveau mandat du président rwandais. Reportage de notre correspondant Olive Adjakotan. 79 voix pour et un bulletin nul au niveau des députés et 23 oui contre un non chez les sénateurs. Ce sont les résultats des votes du Parlement rwandais au sujet de la pertinence des pétitions favorables à une réforme constitutionnelle. Les parlementaires
ont donc majoritairement jugé recevables les demandes de près de 4 millions de Rwandais, partisans d'un troisième mandat présidentiel de Paul Kagame. Il faudrait qu'on recueille toutes ces idées de la population, qu'on voit tous ces articles qui doivent être amendés, qu'on fasse un projet de révision de la Constitution et qu'on le soumette devant l'Assemblée plénière, la décision sera prise sur la raison bien fondée d'amender la Constitution, de réviser la Constitution. Et quand elle sera votée par les deux chambres, c'est à ce moment-là qu'elle doit être soumise au référendum. La Cour suprême continue de statuer sur la demande de l'opposition introduite en juin dernier pour s'opposer à la réforme constitutionnelle. Une séance est même prévue le 29 juillet 2015 pour trancher définitivement cette problématique. Et l'opposition reste confiante pour la suite. Nous allons recourir aux moyens politiques, aux moyens légaux pour faire échec à cette démarche des FPR de changer la concession, de faire sauter ce verrou qui est l'article 101 qui empêche au président Kagame d'obliger un troisième mandat. Le dernier mandat constitutionnel du président Kagame prendra fin en 2017. Mais l'actuel locataire du palais du village Uruguiro ne s'est pas encore clairement prononcé sur son avenir politique. Poursuite du dialogue national au Congo, un dialogue initié par le président Denis Sassou Nguesso, mais boycotté par une partie de l'opposition, puisque rappelons-le, cette opposition soupçonne le président d'avoir ouvert ses consultations dans l'unique but de modifier la constitution et ainsi briguer un troisième mandat. Reportage de nos envoyés spéciaux au Congo, Marie-Angèle Touré et Paul de Singoué. Ils sont tous réunis autour du même cause, le dialogue national. Hommes politiques, membres du gouvernement, acteurs de la société civile se concertent depuis ce lundi sur le processus électoral et l'évolution des institutions congolaises. La nation a besoin de ses filles et fils pour consolider ses valeurs et paver ainsi la voie vers les objectifs d'émergence. Pour ne pas prendre le risque inconsidéré de rater ce rendez-vous de civilité, la nation congolaise veut voir ses enfants unis pendant et après le dialogue au travers d'un consensus empreint d'une vision commune de l'avenir du Congo, notre pays. Salué par certains, critiqué par d'autres, ce dialogue national est loin de faire l'unanimité au Congo. Malgré la présence de certains partis de l'opposition, un point inscrit à l'ordre du jour divise les membres de l'opposition et ceux de la majorité présidentielle. Celui sur la modification de la Constitution. Nous ne faisons que respecter une réflexion initiée par la base de notre parti et concrétisée au sein de l'instance suprême du parti, qui est le Congrès. Nous venons de tenir notre premier congrès extraordinaire il y a présentement 2 mois. Et le Congrès, entre autres décisions prises, il y avait le non au changement de la Constitution et l'acceptation au dialogue, parce qu'il y a un débat sur la gouvernance électorale. Initié par le président Denis Sassou Nguesso, ce rendez-vous politique est porteur d'espoir au Congo. Les autorités espèrent que ce dialogue national débouche sur un consensus autour de la réforme des institutions nationales. Seule certitude à ce jour, le référendum annoncé par le chef de l'État congolais. Un scrutin dont la date demeure inconnue à ce jour. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci d'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.